J'ai revu Moïse. Il avait deux bons fils. Josué et Caleb. Le feu pouvait descendre dans le cœur de Moïse. Mais ses enfants. C'est ce qu'il vient de faire ce matin. Il y a un miracle qui s'est fait ici ce matin dans le cœur des gens. Surtout, cœur. Vous voyez que ce qu'il a prêché, ce n'est pas exalité. Il voulait dire. Il est entré. Il est sorti. C'est une prédication directe. Simple. Claire. J'ai dit c'est une prédication. Parce que le prophète dit. Une prédication culpabilise. Pendant un enseignement. Position. Je suis touché. Que nous les prédicateurs sommes habités d'une grande paresse. De telle manière, sans le savoir, que nous sommes devenus même des dénominations en récitant le prophète sans rien faire de ce que le prophète dit. C'est pour cela que j'ai dit je me sens coupable. Je sens dans mon cœur que le Seigneur le bénisse et bénisse ton ministère chaque fois que tu ouvriras la bouche quelque part, que l'onction de Dieu puisse saisir ton âme et touche le cœur de ceux qui t'écoutent. Que Dieu bénisse ton ministère et que ton ministère aille de l'avant et que ton ministère soit plein d'onction. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Nous n'avons pas reçu un ministère de chaises. Nous avons reçu un ministère d'être debout. Pourquoi? Parce que nous sommes en exode. Le prophète dit que quand l'exode s'est fait, ils ont mangé l'agneau debout. Bâton à la main. À la hâte. Que vous le ministre. Votre place. Ce n'est plus là. Vous devez aller dans les marchés. Et prêcher. Et cette chair. Ne vous en prie. Je ne vous donnerai plus cette chair-là. Facile. Voilà le côté de témoignage. Oui. Que le ministre a organisé la jeunesse. Ils sont descendus par Pekafilou. Et il y a eu un réveil là-bas. C'est ça que nous voulons maintenant. Pas de ministère maison. Qui attendent que le pasteur leur donne la chair pour prêcher. Mais qui peuvent aller chercher les âmes. Et moi le premier, je serai le premier à le faire. Vous
Ça, c'est une prédication de réveil. Et qui doit interpeller chaque conscience. Le frère qui fuit les cultes de vendredi. Le frère qui fuit le culte de mercredi. Le frère qui fuit l'église à cause du péché. La Bible dit qu'il faut donner votre temps, votre argent, votre force, votre intelligence à Dieu. Parce que c'est Dieu qui vous les a donnés. Même ta force. Devrons-nous être ici et répéter les mêmes choses? Non. Un élu, quand Dieu lui parle, il capte la parole, il entre dans son mémoire, surtout dans son cœur, et il marche avec. C'est terminé. Merci, dit les amis. Tu m'as fait du bien. Et merci pour l'église du pasteur qui a voulu bien le soutenir ici. Que Dieu bénisse sa chère épouse qui a voulu bien suivre son enfant. J'aimerais aussi remercier la mienne. Y es para